Derrière chaque peur, un désir. Cette vidéo fusée, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Nous avons vu dans une précédente vidéo sur la peur que, effectivement, le fait de donner notre pouvoir à l'extérieur emmenait chez nous une perte de repères, induisait un manque de confiance, une déstabilisation et, bien entendu, tout ceci amenait de l'inquiétude, de l'angoisse, et de la peur. Et en fait, tout ça est un cercle vicieux. Parce qu'à partir du moment où on a émotionnellement une charge qui est négative, eh bien cela va entraîner une chute de notre immunité. Et bien entendu, tu as compris qu'à chaque fois que ton immunité est basse, eh bien c'est la porte ouverte pour attraper un rhume, une grippe, une angine, des petits virus. Mais aussi, cette chute immunitaire va favoriser le développement des maladies auto-immunes, des cancers, des inflammations, parce que le corps a perdu son point d'équilibre. Cette chute immunitaire entraîne également le fait que ton esprit soit plus faible et donc t'empêche de faire des choix qui soient conscients. Et quand ça t'empêche de faire des choix conscients, eh bien ce lion que tu portes en toi, eh bien, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un petit agneau très obéissant et qui se laisse complètement mener par le bout du nez. Donc, petit agneau mené par le bout du nez a perdu toute sa liberté. Il s'agit aujourd'hui de retrouver sa souveraineté, son pouvoir personnel par un réveil de sa conscience. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir conscience que derrière toute peur, il y a un désir. Toute peur porte en elle son opposé. Je te donne des exemples. Ah, j'ai pas du tout envie d'être malade. Qu'est-ce qui est derrière cette peur ou cette inquiétude que tu vas nourrir? Eh bien, c'est j'ai envie de rester en bonne santé. Ah, j'ai pas envie de perdre mon job. Qu'est-ce qui est derrière? J'ai envie de garder mon travail. Ah, mais moi, j'ai pas envie d'être malheureuse. Qu'est-ce qui est derrière? J'ai envie d'être heureuse. Donc tu vois, tu peux mettre ça, tu peux transposer ça dans tous les plans de ta vie. Écoute bien à chaque fois que tu prononces une phrase, comment tu la prononces. Est-ce que tu exprimes d'abord ta peur ou est-ce que tu exprimes l'envie qui est derrière ta peur? Et ça, c'est vachement important de pouvoir prendre conscience de ça parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas exprimer ton désir, ton envie, tu vas apporter une charge positive. Ça va changer totalement l'énergie qui sous-tend ton propos. Et en ayant dégagé cette énergie beaucoup plus porteuse, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remonter ton immunité, tu vas avoir une vision plus claire des choses qui sont en toi et qui sont autour de toi, donc ça va te permettre de faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés, parce que tu vas pouvoir remettre en doute, parce que tu vas pouvoir sentir qu'il y a suffisamment de force en toi pour vérifier si l'information que tu reçois est une information qui est cohérente avec tes croyances et avec ce que tu veux faire de ta vie. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est que ce que je te dis dans chacune de mes vidéos, vérifie-le. Vérifie-le par ta propre expérience et vérifie en allant chercher d'autres informations à d'autres endroits. Ne gobe pas, ne laisse pas l'information rentrer en toi sans avoir un regard éclairé, un regard critique. Et pour cela, ça demande que ton immunité soit haute. Et pour que ton immunité soit haute, un des outils, c'est justement de focusser sur le désir, focusser sur l'envie qui est derrière la peur. Et d'exprimer cette envie. C'est tout simple et c'est très très puissant. Je t'invite à essayer. Fais attention, reste conscient de toutes les phrases que tu vas émettre, de l'énergie qui sous-tend ta phrase et enseigne ça à tes enfants. Joyeux rebelle, je te souhaite le meilleur pour ta vie. Fais tout ce que tu peux pour pouvoir rendre ta vie plus belle pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.